ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين عليه السلام. Et l'Aour al-Dajjal va rencontrer le prophète Isa alayhi salam en Palestine. L'Aour al-Dajjal يصادف نبي الله عيسى عليه السلام بفلسطين فيقتله نبي الله عيسى هناك بباب لد ولد قرية من قرى فلسطين. Donc ce borgne imposteur, Ad-Dajjal, va rencontrer le prophète Isa alayhi salam en Palestine, qui va le tuer là-bas, devant la porte de Lod. Isa va tuer Ad-Dajjal devant la porte de Lod, et Lod est un des villages de Palestine. أخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه لما كان ليلة أسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة. ابن ماجه أحمد والحاكم qui a jugé صحيح rapporte d'après ابن مسعود qu'il a dit: lorsque ce fut la nuit du voyage nocturne et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplit son voyage nocturne, il rencontra Ibrahim, Moussa et Isa et ils parlèrent ensemble du jour du jugement. Ibn Mas'ud yaqul fima rawahu anhu Ibn Majah wa Ahmad wal Hakim. C'est ce qu'a rapporté Ibn Mas'ud d'après Ibn Majah, Ahmad et Al-Hakim. لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه عنها فلم يكن عنده منها. Lorsque ce fut la nuit du voyage nocturne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra Ibrahim, Moussa et Isa, et ils parlèrent ensemble du jour du jugement. Ils commencèrent par Ibrahim, ils l'interrogèrent à propos du jour du jugement, mais il n'y avait pas de connaissance à ce sujet. Puis ils posèrent la question à Moussa alayhi salam, qui lui aussi n'avait pas de connaissance à ce sujet. La parole fut donnée à Isa alayhi salam. Faqala Isa alayhi salam qad uhida ilayya fi maduna wajbatiha fa amma wajbatuha fala ya'lamuha illa Allah. Isa dit alors: j'ai quelques connaissances, mais avant sa survenue. Par contre, le moment exact où le jour du jugement va arriver, cela, seul Allah le sait. قبله فأما وجبتها أي وقت قيام الساعة على التحديد كما قال فلا يعلمها إلا الله. C'est-à-dire que l'année exacte ou le jour exact où le jour du jugement va arriver, seul Allah le sait. La ya'lamuhu la malaku mukarram wa la nabiyyun mursal. Pas un ange de haut degré, pas un prophète envoyé n'ont de connaissance de moment exact où le jour du jugement va arriver. Fa zakara Isa alayhi salam khuruj ad-dajjal. Isa alayhi salam a cité l'apparition de Ad-Dajjal. Maza qala qad uhida ilayya fi ma duna wajbatiha. Donc il a parlé, il a dit qu'il a des connaissances pour des choses qui sont avant la survenue du jour du jugement. Fa zakara khuruj ad-dajjal qala fa unzilu ilayhi fa aqtuluhu. Il a cité la sortie de Ad-Dajjal, il a dit: on me fera descendre et je le tuerai. Puis il a cité l'apparition des tribus de Ya'juj et de Ma'juj. Il a cité qu'il allait faire une invocation pour que ces deux tribus meurent.
ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر. Puis il y aura une pluie qui va entraîner leurs cadavres en mer. ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. Puis les montagnes seront écrasées et la terre sera tendue. والأديم هو الجلد. Elle sera tendue comme une peau. قال فعهد إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولاتها ليلا كان أو نهارا. عيسى عليه السلام a dit c'est ce que on m'a dit et quand cela se produira le jour du jugement sera imminent à l'identique d'une femme enceinte qui est arrivée à terme et dont la famille ne sait pas quand est-ce qu'elle va accoucher, est-ce que c'est de nuit ou de jour. C'est pour cela que Isa alayhi salam a parlé de ce qui sait mais qui précède la survenue exacte du jour du jugement, mais que seul Allah sait quand le jour du jugement aura lieu. Donc, la date exacte du jour du jugement, seul Allah la sait. Que Dieu nous préserve tous des discordes et de la zizanie de Al-A'wan Al-Dajjal.